Alors, je retourne sur Bing et j'espère avoir accès au moteur de recherche euh, au chat dans, avec le nouveau Bing Chat GPT. Je reclique sur mon lien. Qui tue Tommy dans les affranchis Voilà. Alors on voit le truc qui se déclenche. Il écrit arrêter de répondre. Ah, ça y est, enfin. Voilà, je vais pouvoir répondre. Donc, genre, c'est Bing. D'après mes recherches, Tommy se fait tuer par des hommes de main de la famille Gambino. Qui se venge de la mort de Billy Bats un mafieux de Tommy avait battu à mort avec l'aide de Jimmy Henry. C'est une surprise pour Tommy qui pensait être promu capot. Il y avait explication de film, 4 de plus, etc. Et je reviens en arrière. Voilà. Euh, et tu vois, il se suggère des trucs. Quel est le nom du réalisateur du film On va cliquer dessus. Le réalisateur du film est affranchi. Ça revient donc il faut que je fasse gaffe, score 16. Ok. Et donc à chaque fois, il y a le lien. Donc j'imagine que c'est dans l'explication de film qu'il a été recherché euh, qui a tué euh, Tommy, tu vois. Alors, et, et donc ça aide. On, on va faire un petit contrôle F. Tuer Tommy. Non. Je sais pas comment il arrive. Tommy peut-être Ah, ok. Jusqu'à ce que Tommy, un petit même Jimmy et Tommy, se fait tuer à cause de Billy Bats. Voilà. Donc, ils arrivent à. à voilà. Ça, c'est là où c'est plus fort que le vrai chat GPT. C'est qu'il va chercher des informations en plus. et te donne les sources. Alors, quelqu'un m'a posé une question sur YouTube, de lui poser des questions d'actualité. On va tenter. Je ne suis pas sûr que ça marche. Euh, Aujourd'hui, avait lieu. Euh, PSG LOSC, je vous donne du contexte. Qui a gagné le match Il va. On va voir. Pas des princes, mais 4-3 au terme d'un scénario fou. Les buteurs du PSG sont des meurs, Messi doublé euh, bah Super! Et là on peut... Ouais, quel est le meilleur buteur du PG eh, franchement, eh, franchement, c'est pas mal, c'est match du jour. Normalement, c'est Mbappé le meilleur buteur. On va voir. 32 buts entre un match et aussi le meilleur buteur de Jean-Ligue des Champions. Avec buts... Ah ouais, mais... Là... Euh... Là, il faut lui dire que cette saison là, mais... Euh, 32 minutes dans 31 matchs. Ah, c'est cette saison ou pas à foot Mercato On va aller voir là. Il a déjà mis 31, 31 buts. 15. Ah, et donc il va chercher les stats là, d'accord. Ok. Bah, pour moi, j'étais resté sur les buts en, en championnat. Peu importe. Euh, ok. Alors, je, je te remontre aussi le truc que j'avais fait. Donc, on, je suis assis pour les plages. Pour te montrer. Propose-moi trois sorties en famille à faire demain. Ok Demain, on sera lundi. Donc, le, le, le mode chat est quand même très sympa. Visiter l'île Lugaou, un site naturel le pour plage les plages et sentiers et une faune variée. Découvrir l'île des Zambiers, une ville privée avec un port, aquarium. Explorer le parc de la Méditerranée. Ce qu'on a fait aujourd'hui, parc Méditerranée. L'île des Zambiers, c'est super sympa. Et l'île Lugaou aussi. Bon séjour à, à, à Sifour-les-Plages. Et ouais, et quel est le prix du ferry pour l'île des Zambiers Ça, c'est une très bonne suggestion de question parce que c'est ce qui nous fait ne pas aller à l'île des Zambiers. Ah, et ah voilà, ça, c'est la fameuse limite qu'ils expliquaient. Euh, on n'a pas le droit, sinon l'IA devient fou. <laughs> Donc il faut, il faut nettoyer. Euh, il faut nettoyer. On retourne en mode conversation. Et là, on fait new, nouvelle rubrique. C'est cher. Voilà. Prix bateau il des Ambiers. Au départ du Brusque, une trajet dure 12 minutes et coûte 19 euros par adulte et 11 euros par enfant. Voilà, c'est ce que je lui cherchais. Euh, on va voir si je lui dis. Voilà, nous partons du Brusque. Et nous sommes deux adultes et deux enfants de 8 et 11 ans. Ok. On va voir. En haute saison. Vous voulez réserver le ticket en ligne sur le site des îles Paul Ricard ou sur place à l'Amba du Bliss euh, Et que vous voulez faire sur l'île des zombies euh, se... <laughs> se baigner à cette époque aussi de l'année, c'est un peu chaud. Mais faire du vélo, tiens, je réponds. 60 euros, c'est le bon calcul ou pas 18 euros deux adultes, 36. Euh... Haute saison, je sais pas. Euh, non, je crois pas. Hein. Ah là il nous donne comment on fait pour louer des vélos. Ah c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Attends, je reviens, je reviens juste avant. C'est pas mal. Je vais juste faire un petit calcul de cohérence là. Parce qu'il m'a dit que ça coûtait 19 euros par adulte et 11 euros par enfant. 19 et 19, 38. 11 et 11, 22. 38 et 22, ouais, ça fait bien 60. En haute saison. Alors. C'est. Euh... Voilà, on va aller sur mon site, janvier. Et on va prendre le dernier article sur, sur Bing Chat GPT. Comme ça, on te montre qu'il y a de la fraîcheur. Euh... Donc c'est revenu, je suis content. Ça faisait... Je crois que j'étais bloqué. Alors, j'appuie là sur la petite fenêtre détectée ouais j'avais pas fait beaucoup de choses dans ma démo hein. ça m'a dégoûté ça m'a dégoûté euh, donc je vais lui dire résume-moi cet article résume-moi cet article en... allez 100 mots, il doit en avoir 600 bon, l'article il est là j'annonce le nouveau Bing alors Ah, il n'a il a pas compris, euh... c'est con, il n'arrive il pas à comprendre que c'est la page à côté. Ah si, pourquoi, pourquoi résumeur Pourquoi il a fait résumeur C'est bizarre. Euh, selon les résultats de la recherche web, il existe plusieurs outils pour résumer automatiquement un texte en ligne. Par exemple, résumeur est un résumeur de texte multilingue qui repère et reprend les idées. Vous pouvez l'utiliser en ligne. Vous avez consulté, généré par résumeur. Ah. Bon, je sais pas pourquoi il parle de résumeur. Fait de la pub pour résumer, c'est marrant. L'article présente le nouveau Bing, chat GPT. Une fonctionnalité basée sur IA qui permet de poser des questions complexes et d'obtenir des réponses détaillées. Il explique comment s'inscrire sur la liste d'attente pour tester le nouveau Bing en France, comment télécharger HDF pour profiter du volet droit de l'assistant Bing ChatGPT, c'est exactement ça, et comment faire des recherches avec ChatGPT. Il donne aussi son avis sur le produit et regrette les limitations d'usage qui ont été mises en place suite à des abus. C'est exactement ça, et franchement, balèze, balèze. Moi, je dis balèze, je dis balèze. Euh, ok, et alors, il y avait un autre truc que je voulais te montrer. Article sur les jeunes qui sont adeptes au téléphone à clapet, euh, c'est flip phone CNN. Ah là, voilà, il l'a. Oh, regarde. Le truc est en anglais. C'est con là l'histoire du du On euh, On va pas faire traduire. Voilà. Voilà. Alors. On va lui dire, peux-tu euh, me donner les points clés, j'ai autre chose pour pas qu'il me parle de résumeur, euh, de cet article. Ok Non, c'est juste pour vous dire que c'est quand même de la bombe de balle euh, Chat GPT, quand, ça, quand on a... Possibilité de l'utiliser pleinement. J'étais un peu frustré de ne pas vouloir ni euh, plus. Les points clés d'un article sont les principaux. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit truc avant c'est un peu con. L'article parle de la tendance de la jeune génération Z à utiliser des téléphones à clapper comme moyen de se déconnecter. Ouais, on, on, on remet hein. franchement, c'est exactement ça. Des réseaux sociaux et de retrouver une esthétique vintage. L'article cite des exemples de célébrités et d'étudiants qui ont adopté les téléphones à clapet et qui apprécient les avantages comme la simplicité, le côté ludique et le respect de la vie privée. L'article mentionne aussi les inconvénients des téléphones à clapet, comme le manque de fonctionnalité, la qualité médiocre des photos et les risques pour la sécurité. L'article compare les téléphones à clapet avec les smartphones pliables qui sont plus chers et plus sophistiqués mais qui représentent un marché encore limité face à Apple. C'est exactement ça. Et je peux dire, euh, euh, quelle célébrité Il y en a deux dans l'article utilise le téléphone à clapet dans l'article. Voilà. Euh, on est obligé de refaire New Topic. essayer pour cette page uniquement. Alors, on efface. Selon cet article. OK Je rappelle que l'article est en, en, en anglais. Hein. Donc. Euh... Là, il va il va plus loin. Là. Il me parle de Scalon Johansson. Euh, là, il va trop loin. <laughs> oui, un tour OK. Il n'a pas parlé de, ce, de, de cet article-là. Euh, je, je vais dire et sur ce site Uniquement. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Que le volet comprend que je suis sur euh, cet article de CNN. Parfois ça bug. Hein. Ah. Ressayez pour cette page uniquement, bien sûr, c'est ça. Alors, on va voir. Il a, il a du mal à comprendre que quand on veut l'utiliser comme volet, c'est uniquement. Voilà, c'est ce que je voulais comme réponse. Donc il faut, faut l'aider un peu quand même. Pourquoi il le dit en anglais, je ne sais pas. Camilla Cabello et Dove Cameron, elles disent qu'elles aiment l'idée d'être moins disponibles, et de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que dit l'article. Rédiger un article. Euh, là, je vais dire, euh, tu me fais un post LinkedIn, professionnel. Voilà, euh, court. Fais-moi un post. Alors, ce qu'on va faire, c'est, attends, on va se mettre en lien avec ça. Fais-moi... Je ne sais pas d'ailleurs s'il lit un, un post LinkedIn et euh, enthousiaste euh, qui parle du nouveau Chat GPT, euh, du, du nouveau Bing, ah, Chat GPT en lien avec cet article. Je vais le copier-coller parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Donc, je, je, je découvre, j'ai mis cours, je générer un brouillon. OK Alors, vous cherchez un moteur de recherche innovant et performant Découvrez le nouveau Bing d'OPHLGPT. Grâce à cette technologie révolutionnaire, vous pouvez dialoguer avec Bing en langage naturel, obtenir des réponses personnalités pertinentes. Que vous vouliez trouver des informations, générer du contenus, vous divertir Bing et votre meilleur allié. Pour en savoir plus, consultez cet article passionnant. Voilà. Et je peux faire un petit copier-coller euh, et aller euh, sur LinkedIn. Il y, la... Il y a la petite image là. Pas mal, non La classe Trois minutes de lecture. Bon, je vais pas le faire. Fais-moi. Un rap sur Bing et sa fonction 4 GPT rôle euh, cours ouais, allez moyen tiens ouais, ouais paragraphe moyen on va voir ce que ça donne tiens c'est parti Il y a un bouton « Ajouter un site » là, au site, je sais pas ce que c'est. Je suis Bing, je suis le roi du rap français, je fais des recherches sur le web comme personne sait le faire. J'ai un mode chat qui s'appelle… Alors, je sais pas s'il y a des rimes. Hein. Euh... Tiens, on va voir. J'ai un mode chat qui s'appelle « Chat GPT », il est plus fort que Siri, Google Assistant, Réuni. Euh... Quand tu vas parler avec moi, tu n'as qu'à taper ton message, je te réponds en quelques secondes avec de l'humour et du courage. Je peux te raconter. Message courage. Ah, ça rime. Je peux te raconter des blagues, des histoires ou des anecdotes. Je peux même faire un rap sur n'importe quel sujet. Alors, n'hésite pas à venir me voir quand tu t'ennuies. Euh, je suis toujours là pour toi. Je suis ton meilleur ami. Ça rime. Euh, Bing, c'est le moteur de recherche qui te fait kiffer. Chat GPT, c'est le chatbot qui te fait rire. Bon, ça rime pas à la fin. Voilà. C'était la petite démo du soir. Je suis content d'avoir retrouvé mes accès. Euh, merci au gars de Bing euh, de m'avoir entendu. Euh, je vais m'arrêter là, mais voilà, j'ai pu faire ce que je n'avais pas pu mettre dans la vidéo. Et voilà, ça, ça fonctionne. Et c'est super top. Merci.